Kézi, tu dois vraiment arrêter avec cette façon de rentrer tard tous les soirs. Ça commence à être de trop. Ce n'est pas ton problème. Si, ça l'est. Je suis ton frère. Je sais que t'es mon frère et je continue de te dire que ce n'est pas ton problème. Tu ferais mieux d'arrêter ça. C'est quoi tout ce remue-ménage? Ça m'empêche vraiment de dormir. N'est-ce pas, Osemina? J'ai passé mon temps à frapper contre le portail à plusieurs reprises, mais il n'est pas venu ouvrir. Et il trouve que c'est pénible de faire ce travail. Désolé, maman. Alors, ça a été? Tu veux parler du contrat? Tu veux dire que ça a été? Ah, fais-moi confiance, maman. Tu es sérieux? Hein? J'ai arrêté les chiffres entre 20 et 25 millions de naira. 25 millions de naira? Hein? Quel pactole! Attends. Tu veux dire, c'est toi qui es chargé d'organiser le mariage de la fille du gouverneur? Je te l'avais dit. Hé! Tapissé! Je savais qu'il le ferait. Toi, du coup, tu entends ça? Tu peux continuer de te tourner les pouces sur une chaise roulante. Je t'ai préparé un plat spécial. C'est à la cuisine. Laurie Jollof. Est-ce que t'es sérieux? Très sérieux, ça fait de qu'est-ce la que j'ai? Fraîche, nette comme tu aimes. C'est à la cuisine. Maman, t'es sérieuse? Serre-toi, je retourne au lit. Mais maman, je ne le partagerai pas. Moi, je retourne au lit. Ok, maman. Allez, bonne nuit, maman. Merci, bonne nuit à toi. Au revoir. Mais c'est bon, maman. Allez. Ok, j'arrête, maman, j'arrête. Osemina! 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 Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et allez, debout, tu dors! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Osemina? Tu es pas le gardien de cette maison? Je parle dehors pendant que t'es là dedans. Mais pour une heure, qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es le gardien de cette maison! Ne t'affiche plus de me parler ainsi! Ne t'affiche plus de me parler ainsi! Ozzy, Timo! Je vais te tuer, tu vas voir! Arrêtez, qu'est-ce que vous... Dégage-moi! Meso? Oh mon Dieu, Meso! Hé, hey, Meso! Réponds-moi! Tu vois ce que tu as fait? Meso, ma! Meso! Je suis là, barotté pendant ce temps, monsieur, si tu me permets de te répondre. Meso, ma! Mais c'est quoi ça? N'importe quoi! Tu vois ce que tu as fait? Dégage! Kézé! Dis quelque chose! Mes hommes. Allô, madame. Allô.
S'il vous plaît, donnez-moi 30 minutes de plus. Je serai dans votre bureau avec le fichier que vous m'avez demandé. S'il vous plaît, madame. Madame, ma clé USB a été endommagée, madame. Juste 30 minutes de plus, je suis dans votre bureau, madame. Madame, s'il vous plaît, ne faites pas, madame. Madame, ne faites pas ça, juste 30 minutes, madame. Essayez. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allô? Allô? Hé, hey, docteur. Oui? Est-ce qu'elle s'est réveillée? Oui, mais elle a eu un traumatisme crânien. Et qu'en est-il du bébé? Désolé, mais elle l'a perdu. Oh. Nous avons tout essayé et vous êtes attendu à la caisse pour verser la somme de 40 000 naira pour continuer les soins. T'as vu ce que t'as fait, Casier? Oh, Casier, à cause de toi. Désolé. Oh, non, non. Que se passe-t-il ici? La voiture de Cassie est garée dehors. Où sont Ozomina et Memso? S'il te plaît, regarde ça dedans. Quelque chose a dû se passer ici. Ah, regarde, la porte centrale est ouverte. Cassie! Cassie, qu'est-ce qui se passe? Le portail est ouvert, la porte centrale également, et tu es assis ici. Quel est le problème? Je me suis battu avec Ozemina. Ozemina, le garçon chaud, tu veux mourir? Maman, le contrat a été annulé. Quoi? Et pourquoi? Le fichier que je devais envoyer à la femme du gouverneur cet après-midi était dans ma clé USB. Au moment où j'ai voulu l'imprimer, j'ai constaté que la clé a été endommagée, maman. Et alors, je suis venu ici immédiatement pour prendre mon laptop, maman. Quand je suis arrivé, j'ai cogné plusieurs fois. Personne n'a ouvert le portail et le portier était fermé, maman. Et alors, j'ai pris les clés et je suis passé par derrière. En entrant ici, je vois Ozemina confortablement endormie et en train de ronfler, maman. Et après, dis-moi quel est le rapport avec l'annulation du contrat. Maman, mets le temps. Hein? Le temps, maman. J'étais censé envoyer ce fichier à la femme du gouverneur cet après-midi. Maman, elle ne l'a pas reçu, elle m'a même appelé. Et elle m'a dit que nous avons fait preuve de marque totale de professionnalisme, maman. Et qu'elle ne laissera aucun désagrément empiéter sur l'organisation du mariage de sa fille, maman. Donc nous avons perdu le contrat. En effet. Et elle a voyagé pour Abuja. Cassie. Qu'es-tu en train de raconter? Sais-tu que nous sommes en train de parler des millions de naira là? Hein? Et tu es là à raconter des conneries? À quoi qu'on a à boire ni à bouser. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Maman, je n'en ai aucune idée. Aucune idée, maman. Est-ce que tu es fou? Ina Poila. Mais qu'est-ce qui te prend? Allez, viens par là. Reviens. D'accord. Calme-toi. Mais c'est quoi? Osemena. Allez, reviens. Osemena. Viens. Lâche-moi. Rapproche-toi de moi et tu vas voir ce que je vais te faire avec cette bouteille. Allez, lâche-moi. Non. Attends, tu vas voir maintenant. Espèce de pauvre con. Espèce d'idiot. Tu me traites de gardien? Oh, Suimona. C'est justement ce que tu es. Un gardien, oui. Parce que tu vis dans la guérite du gardien. Maman. Tu restes là et tu le regardes à me traiter de manchot. J'ai perdu un bras. Juste en travaillant dur pour vous. Ah oui, c'est ça. Héros national. Osemina, je ne te laisserai pas m'insulter. Qui es-tu, hein? Qui as-tu nourri? Le héros national oppressé. Écoute-moi très bien. Tu sais, sais-tu pourquoi je t'ai donné ce nom? Je t'ai donné ce nom parce que j'ai prié l'Éternel pour qu'un truc comme toi ne s'approche jamais de moi. N'en parlons même pas de sortie de mon ventre. Tu es simplement maudit. Écoute, je ne sais même pas comment te décrire. Je ne sais vraiment pas comment te décrire. Ça veut sortir de ma bouche. Tu es juste maudit. Maman. Moi. Oui, tu es maudit. Un enfant maudit. Oui. Qu'est-ce que je t'ai fait? N'ai-je pas droit au bonheur? Mon soi-disant fils, je préfère encore mettre de l'acide dans mon jus de fruits que de te voir heureux. Mais regarde-toi. Osemena, sais-tu ce que ça signifie? Ça signifie que rien de tel n'arrivera plus jamais. C'est ce que ça signifie. En d'autres termes, quelque chose comme toi n'osera plus jamais rôder autour de moi. N'en parlons plus d'être considéré comme mon enfant. Osemena, je ne sais même pas vraiment comment te décrire, ni à dire ce que je ressens pour toi. Tu es pourtant ma mère. Malheureusement. Casier, merci. Ma femme a perdu sa grossesse à cause de toi. Elle a perdu sa grossesse. Elle a perdu son embryon. J'ai perdu un contrat de 25 millions d'euros. Mais non, mais pour qui est-ce que tu te prends, mec? Osemena. Mais je m'en fous. Osemena, tu vois ce que tu as fait? 25 millions de naira, tu comprends ça? Es-tu sûr que cette femme, pour une fois, car tu viens de dire qu'elle a perdu, était vraiment enceinte? Qu'est-ce qu'on en a foutu de la grossesse de la femme de cet idiot? Dieu qui est dans les cieux, regarde tout ce que vous faites. Votre façon de me traiter, je vous assure, mon Dieu, il vous le rendra au centuple, je vous le jure. Osemena, seuls ceux qui ont un Dieu jurent. Tu n'as pas de Dieu. Parce que, sino, oginineisi, waki oban, sinobiko. Tu n'as pas de définition. Tu me demandes de sortir, maman. Tu n'as aucune définition. Je ne sais pas comment te décrire. Ma kwa kunaza gazogo. Regardez ce à quoi il ressemble. Regarde-le. N'importe quoi. Na umokuni ici. Thank you.
Ozomena, tu pleures. Que s'est-il passé? Mesoma a perdu sa grossesse. Comment? Comment ça? Mais que s'est-il passé? Va demander à Cassier. C'est à cause de lui que ma femme a perdu son bébé. À cause de Cassie? Did you carry me for plenty months to see me end like this? Mama, yeah. I'm a little more kidding. Mama, yeah. Nemo. I'm a better Mama. Nemo. 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 I see it now, poor cocos, the long wire. Entrez. Maman, tu es là. Cassie? Mais qu'est-ce que j'entends? À cause de toi, Mesoma aurait perdu sa grossesse. Non, mais est-ce que t'es conne? J'ai perdu 25 millions de naira à cause d'elle et de son mari. Comment peux-tu comparer 25 millions de naira à un enfant à naître? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hé, hey, Cynthia, arrête de crier ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Était-ce un président qu'elle attendait? De grâce. Cynthia, peu importe comment on t'appelle, tu oses entrer chez moi en disant « Maman, t'es là ?» Non, Kuina, quoi. Ce n'est pas ta faute. Azulu Yasu. Ne me fais pas déverser ma colère sur toi. Espèce de stupide. Hé, hey, maman. Maman, c'est à ma femme que tu es en train d'adresser là. Cassie, écoute. Cette chose, ta femme. Regarde-la. Est-ce ça que tu Cynthia? Appelles femme? Hé, hey, Cynthia. Maman, regarde ce que tu as fait maintenant. Hé, hey, hey, tu vas arrêter, écoute, oui. Tu n'es qu'un idiot. Quel courage. N'importe quoi. Tu vois ce que tu as fait? Est-ce que tu vois ce que tu as causé? Ce n'est pas de ta faute. Et laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire quelque chose maintenant. Tu vois cette fille? Tant que moi, ta mère, je vivrai, tu ne l'épouseras pas. Tu devras d'abord me passer sur le corps. Maman, j'aime Cynthia, maman. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, maman. Tu ne comprends pas. Comment pourrais-tu comprendre? Au lieu de te concentrer à travailler dur pour obtenir ce contrat de 25 millions de naira, tu es là à courir après Cynthia. C'est pour cette raison que ton laptop et ta clé USB se sont endommagés. Et tu es là à dire que tu n'entends rien de ce que je dis. Ta clé USB a été endommagée simplement parce que tu n'es pas concentré. Tu es tellement stupide que tu n'arrives à rien faire. Regarde son accoutrement. Elle ressemble à une prostituée. Et c'est ça que tu dis que tu veux épouser. Très bientôt, tu finiras par la partager avec tous les fous de la ville. Parce que, quand elle va marcher, ils vont tous la poursuivre. Tous les hommes vont la regarder quand elle sera en train de passer. Ils vont la poursuivre comme des animaux. Et tu oses me dire que c'est la femme que toi, tu veux épouser. Et toi, arrête de répéter. Allez, ferme-la quand je te parle. Ah non, voilà. Did you carry me for plenty months to see me end like this? Mama, yeah. I'm a little more kidding. Mama, yeah. Nemo. Anna, me beuno. Mama. Oh, Zoemina. Tu dois cesser de pleurer. Tu dois être un homme. Mais Soma est sous le choc et elle aura besoin de toi, tu comprends? S'il te plaît. Cynthia, cela n'est pas le problème. En fait, je suis censé verser une somme de 40 000 naira pour qu'on commence à lui administrer des soins. Et où est-ce que je vais trouver cette somme? On trouvera une solution. Ok. Oh Zoemina, pourquoi continues-tu de rester avec ces gens après tout ce par quoi ils te font passer? Je vais t'aider, t'inquiète pas. D'accord? Vraiment? Oui. Oh, Cynthia, t'es tellement gentille. Non, c'est rien, je t'assure. Dieu, que Dieu te bénisse, Amen. Cynthia, merci.
T'es une bonne personne. Ce n'est rien. Ressaisis-toi, ça va aller, ok. Alors, as-tu rencontré le docteur? Oui, il m'a demandé d'attendre ici. Ok. Il est allé chercher ses médicaments. D'accord. Merci énormément, Cynthia, j'apprécie vraiment ton... Ah, c'est normal. Ozomina, je ne comprends pas. Pourquoi travailles-tu pour ces gens? Pourquoi n'essayes-tu pas de trouver un autre boulot ailleurs? Apparemment, tu vois que ces gens sont comme des étrangers. Donc, t'es pas au courant que ton homme et Munachi sont mes frères? Et que leur mère est également ma mère. Tu plaisantes? Non, je plaisante pas. Cassier, c'est mon demi-frère. Pourquoi me cacherait-il une chose pareille? Une femme qu'il prétend vouloir épouser. N'attends pas ce que je te dise, ce qui se passe dans notre famille. Oh. Attends, Ozomena. Dis-moi, pourquoi es-tu gardien dans la maison de ta propre mère? Oh, Cynthia, Cynthia. C'est compliqué. Et c'est une longue histoire. Après la naissance de Chukwado, ma femme a eu une hémorragie. Elle n'arrêtait pas de saigner. Nous avons perdu tout espoir. Nous pensions qu'elle allait mourir. J'ai supplié ma mère de nous aider pour les factures, parce que les frais d'hospitalisation et l'ordonnance coûtaient énormément cher. Ma mère a accepté de me donner ses 350 000 à une condition. Maman, je t'en prie. Ma femme est dans un état très critique, je t'en prie, aide-moi. S'il te plaît, je n'apprécie pas du tout quand tu me supplies, Lobini Aou. Je n'aime pas quand tu me supplies. Essaye d'être un homme pour une fois. Bref, c'est pourquoi je dois te donner de l'argent. Je te donnerai de l'argent, mais... Je t'en prie. Tu dois signer cet accord. Et oui, ce sont des affaires de mon fils. Quel accord? C'est très simple. C'est juste... Tu devras me rembourser mon argent. Et si tu ne le fais pas, j'aurai le droit de te faire enfermer. Pour couper court, tu travailles chez moi. Tu travailles chez moi en tant que mon gardien. Et ta femme sera ma domestique, ouais. Ainsi, je pourrai déduire tout ce que tu me dois de ton salaire. Je pense que c'est équitable. Quel sera notre salaire? Je n'y avais même pas pensé. Niopino, Niopino, Niakouarbana. En tant que gardien, je te payerai 5 000. Pour la domestique, je ne donnerai pratiquement rien, parce que tu sais comment ça se passe. De temps en temps, elle pourra voler un peu de nourriture, tu vois, un peu dans ma cuisine. Mais, à cause de notre relation, ce n'est vraiment pas plaisant. Je te payerai 10 000 naira. Je n'aurai pas d'autre choix que de payer à ta femme 5 000 naira. Car ses cheveux sont tellement ébouriffés et très sales. Ça lui permettra au moins de changer de vêtements une fois par mois. S'il te plaît, apprends-lui à utiliser un déodorant. C'est très important. Je ne veux pas... De toutes les façons, tu sais de quoi je veux parler. S'il te plaît, mon. Je peux travailler de l'argent pour te rembourser, mais pas besoin d'être ton gardien, s'il te plaît. Ça, c'est mon stupide fils. Tu peux travailler. À quel genre de travail fais-tu allusion, là? Ton petit commerce de vente de bouteilles?
Est-ce avec ce boulot de pacotier avec lequel tu n'arrives même pas à te nourrir que tu pourras me rembourser mes 350 000 naira? Nous ne sommes pas en train de parler là de 3500 naira. On parle de 350 000 naira. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Hé, hey, mon idiot de fils, un peu de sérieux là. Un peu de sérieux, s'il te plaît. Écoute, cet accord a été rédigé par mon avocat, Maître Abata. Nam, maman. Et tu es au Kenya, Abacha, Abufu, Apu, Kwadanya. Maman, c'est de ma femme dont nous parlons là. Ta belle-fille. Atmatpore, wow, Oja Kiri, Oja Fwa. Je sais, je sais. Je sais que tu es mon fils. Est-ce que tu es partant, oui ou non? D'accord, je signerai. Es-tu prêt à le signer? Vas-y, prends. Mais qu'est-ce que tu portes? Boulot à quoi, Nina? Je les utilisais comme chiffon dans ma cuisine et je les ai jetés à la poubelle. C'est ce que tu portes? Oh, Osemena. Osemena, je ne te comprends pas vraiment. Jésus-Christ, fils de David! Elle nous a menacés. Elle m'a dit qu'on n'ira nulle part tant qu'on ne lui aura pas remboursé tout l'argent qu'on lui doit. Faute de quoi, elle ne nous donnera aucun centime. Tout ceci a été scellé par un accord. Je n'avais pas le choix. Et tu l'as signé? Qu'est-ce que j'étais censé faire? J'étais désespéré, ma femme était mourante. Attends. On se ménage. La mère de Cassie est ta mère. Malheureusement. Hey! À présent, tu sais tout. Cassie? Chérie? Ozoemena est-il ton frère? Eh bien, je pensais que tu étais là pour me voir. Je suis là pour te regarder dans les yeux et te poser une question. Cassie, Ozoemena est-il ton frère? Eh bien, je pense que tu as déjà une réponse à ta question, alors pourquoi est-ce que tu me le demandes? Alors c'est ton frère et tu ne me l'as jamais dit? Allez, j'ai pensé que ce n'était pas nécessaire. Cassie, mais nous allons nous marier et je ne pense pas que tu dois me cacher de telles informations. Je suis désolé, chérie, d'accord? Je suis désolé. En fait, tu ne comprendrais même pas. J'ai besoin d'un peu de temps pour intégrer tout ça. Je dois... Hé, hey, chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? Osemena, nous... Bébé, j'ai voulu t'en parler, mais cela m'est sorti de la tête. Allez, chérie. Hé, hey, viens par là. Hé, hey, chérie, désolé. Je suis désolé. Bébé, mais qu'est-ce qu'il y a? Ok, très bien, c'est mon frère. Salut, sexy maman. Oh, t'arrêtes pas. C'est bon. Ah ouais? Je sais que t'en as envie. Oh, emmène-moi au 7e salle, bébé. Ouais, je sais que t'en as envie. Oui, bébé. Viens. Oui, bébé, prends-moi. Oh. Oh, merde. Viens là. Seigneur, je suis mort. Je suis mort. Tu ne l'as pas fermé? Je croyais l'avoir fait. Oh. Je l'aime, Seigneur Jésus. J'arrive. Allez, ouvre cette porte, non? Cache-toi. Mmh.
Allez, Julienne, ouvre cette porte. J'ai dit que j'arrive. Ah, Julienne, pourquoi as-tu pris autant de temps pour ouvrir la porte? En passant, que fais-tu dans la chambre à cette heure? Où est Val? Et pourquoi est-ce que mon portail est-il ouvert? Tu as fini? Ou t'es fatigué? Pourquoi as-tu pris autant de temps pour ouvrir la porte? Où est Val? À propos, que fais-tu à la maison à cette heure? De plus, pourquoi mon portail est-il ouvert? C'est tout ce que tu peux demander. À qui est ce téléphone qui est là? C'est le mien. Non, c'est le téléphone de Val. Je le lui ai acheté. Ah bon? Oui. Dis-moi, depuis quand est-ce que tu achètes des téléphones à des jeunes garçons comme Val? De toute façon, tu n'en vaux vraiment pas la peine. Oh, je t'aime. À plus tard. Oh, wow. Oh, madame... Hé hey! Ouais. Que fais-tu à la maison à cette heure, papa? Angela, j'ai oublié mon permis de conduire, alors je ne voudrais pas avoir des problèmes avec la prévention routière ou alors avec T'as la police. T'as raison, papa. Surtout que nous sommes nouveaux dans cette ville. Oui, en effet. Alors, d'où est-ce que tu viens? J'étais rendre visite à ma meilleure amie. Ta meilleure amie? Ça ne fait même pas encore un mois que nous avons aménagé à cet endroit et tu as déjà une meilleure amie? Oui, papa, tu as oublié. Cynthia, ma meilleure amie, vit dans... Oh, ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Je dois me dépêcher, d'accord? D'accord, papa. On se voit le soir. D'accord. Bye. Val, assure-toi la prochaine fois de ne plus laisser ce portail ouvert, d'accord? D'accord, monsieur. Ça ne se reproduira plus. Vieux cocu. Madame, bienvenue au... Keno? Ah bah, Keno. Nous sommes là à attendre que tu nous serves le dîner et toi, tu es là à te curer les dents. Attends un peu. Moi, te servir à manger? Ne sais-tu pas où se trouve la cuisine? Va regarder la télévision avec ton idiote de fille. Maman! Mais tu en as. Maman, ce n'est pas juste. Je ne sais pas pourquoi tu te comportes ainsi. Ah. Hé, hey, Julienne, dis-moi un peu. Non, mais quel genre de femme es-tu? Hein? Une très bonne femme. Donc aussi, laisse-moi te demander, hein? Quel genre d'homme es-tu? Il ne peut même pas répondre. Dégagez de là. Maman! N'importe quoi. Ça, c'est moi qui t'ai encouragé. Je le sais. Je le sais. All of my life I have watched you climbing mountains and chasing dreams. All of my life
You've taken everything. But you didn't have to take my world from me. Just say you love me as I am. Say you want me as I am. Say I'm so lonely, alright. It's all I wanted to be. Oh, just let me go. I know one day from now. You've taken everything, but you didn't have to take my world from me. Just say you love me as I am. Say you want me as I am. Say I'm so worthy, your eyes. It's all I wanted to be. Oh, just let me go. I know one day if I'm allowed. If I'm allowed, someday I'll make you proud. Maman, tu as recommencé. Pourquoi te fais-tu autant de mal? Oh, Semina. Il m'a brisé le cœur. Je n'ai connu que malchance. Depuis le jour où je l'ai conçu. Non, maman. Ozo et Mena est juste victime des circonstances. Si papa n'était pas mort, je ne serais pas assis dans cette chaise roulante. Ozo et Mena est à l'origine de tout. Non. Ce garçon... Il m'a fait tellement de mal. Si bien que je le haïrai jusqu'à la mort. Maman, ton fils, la chair de ta chair? C'est vrai, je lui ai donné la vie. Oh, Semina. Il n'est que l'œuvre du diable. Maman. C'est toi qui le dis? Oui, c'est moi. Sors de ma chambre immédiatement. Libère ma chambre. J'ai dit de sortir de ma chambre. I have watched you. Climbing mountains and chasing dreams. All of the life you've taken everything, but you didn't have to take my world from me. Hey! Que se passe-t-il? Donne le sac. Moi, tu cours.
Emo. Aname Benunu, Mama. Nemo. 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 Mes hommes, ma chérie. Mes hommes, Chuko. Ma chérie, qu'y a-t-il encore? Ma chérie, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Pour rien. Ne me dis pas pour rien, née, tu es ma femme. Je t'en prie, parle-moi, je suis ton mari. Je suis là pour toi, dis-moi ce qui ne va pas. Ozzy. Jusqu'à quand allons-nous continuer à vivre ainsi? Jusqu'à quand ta mère et tes frères continueront à nous traiter de cette façon? Jusqu'à quand? Sache que toute chose a une fin, s'il te plaît. Je ne peux pas attendre la fin. Tu dois affronter ta mère et tes frères. Assez, c'est assez. Je ne peux plus le supporter. On ne peut pas faire ça. As-tu oublié que nous vivons sous la botte? Si je le fais, ma mère risquerait de nous couper les vivres. Ça m'est égal. Ça m'est égal, Obin. On doit les affronter. Assez, c'est assez. Je ne peux plus supporter. Mes c'est hommes, de trop. Mes hommes, je t'en prie. C'est je de t'en trop. Prie. Je te comprends. Je te comprends. Je t'en prie. Calme-toi. C'en est de trop. Prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je te supplie. Essaie d'oublier ça. Tout ça aura une fin. Je t'en prie. J'ai perdu mon bébé à cause de Cassie. Dis-moi pourquoi. Ton propre frère. Tu as un appel de Cynthia. Eh hey, bébé, allô? Coucou bébé, bonjour. Bonjour bébé, est-ce que ça va? Oui, je vais bien mon amour. Bébé, écoute, j'aurais besoin de ton laptop, le mien est en panne. Ça m'aide pour le travail. Ok, tu sais quoi? Rappelle-moi dans 30 minutes, ok? Oh, merci infiniment mon amour. Et sois prudent, ok? Ok, je t'aime. Moi aussi, bébé. Bye. Mesoma, bonjour. Merci de l'avoir amené. Bonjour. Mon frère, merci. Non, ce n'est pas la peine, ok? Prends soin de toi. Ouais, merci pour tout. Hé, hey, petit frère, d'où viens-tu? Je suis sorti ce matin, le portail était ouvert, alors je suis allé prendre de l'air. Et aller prendre de l'air? Tochuku, prendre de l'air sur une chaise roulante. Ah, ne me sous-estimez pas. Maman, bonjour. Ah, Tochuko. Bonjour. Bien, 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 bien. Maman? Où est la voiture de Cassie? Elle est hors du portail. L'as-tu lavée? Non, pas encore, maman. J'attendais finir celle-ci pour y aller. Qu'est-ce que j'entends là? Alors, tu attendais d'eux. Arrête d'être stupide. Sois moins stupide. Tu ferais mieux de cesser d'être stupide. Gros pour rien. Quand tu finis de laver celle-ci, va laver celle de Cassie. Ino non emani. Ama mani boku e nanya. Ok, maman. T'as dit ok? Ok, pourquoi? Maman, c'est normal que mon mari lave ta voiture. Mais laver la voiture de Cassie, c'est une chose impossible. Chut, baisse ton ton, maison. Qu'est-ce qui te prend? Chut. Messie Omar, tu ferais mieux de... Chut. Silence total, c'est ce que j'attends de toi. Tu ferais mieux de te taire. Mais Omar, parfois il faut ignorer ma mère, s'il te plaît. Non, ça n'est de trop, elle exagère. Je vais te faire ça.
Merci, Oma. Maman, est-ce à moi que tu t'adresses? Qu'attends-tu pour ramasser toutes ces ordures qui traînent dans ma maison? À ce tu commets, penses-tu pouvoir me parler n'importe comment? Tu veux me défier, c'est ça? Ne crois-moi, Tchoucha. Nous es-tu quoi, Somme? Maman, et qui es-tu pour le traiter comme un esclave? Ah, ce n'est pas juste. Ah, ah, est-ce à moi que je t'adresse? Maman, hey. Hey. Non, Meso, non, non. Fais pas ça, s'il te plaît. Hé hey. Oh, mon nino, quoi? Elle a osé lever sa main sur moi. Où c'est mon imagination? Non, 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 non. Elle a essayé. Non, c'était maman, pas son intention. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Messieurs, maman Niola. Elle m'a donné deux bonnes chiffres. Maman, ce n'est pas vrai. T'as chifflé, maman. Tu as osé frapper ma mère. Non, c'est pas vrai. Tu as osé? Non, maman, c'est pas vrai. Tu n'as pas osé. Maman, tu as osé. Arrête. Allez, viens par là. Tu es malade. Laissez-la. Laissez-la. Osez, Mena. Osez, Mena. Toi. Tu. Attends. Osez, Mena. Osez, Mena, arrête ça. Si vous vous approchez encore d'elle, je vais vous couper en deux morceaux. Qu'est-ce qui vous prend à la fin? Ici, nous t'arrêtons. Dans, comme ça, on s'est frappé. Osez, Mena. Osez, Mena. Cynthia. À prier pour que rien ne lui arrive. Docteur. Oh, Cassie. Quelles sont les nouvelles? Comment vient pour vous dire, elle est toujours inconsciente. Oh, merci. Cassie, qui lui a tiré dessus? Docteur? C'est moi, docteur. Cassie, c'était toi. Cassie, tu es très chanceux. Si je n'étais pas le docteur de cette famille et ton ami, je t'aurais fait arrêter. Docteur, s'il vous plaît. Ah, Kopo, dis-moi, que fais-tu avec une arme? Comme ça, Cassie, tu continues d'être irresponsable, hein? Tu ne veux pas changer. Très bien, bref, la police doit être impliquée dans cette affaire. Non, Docteur Ben, s'il vous plaît. Hein? Pas besoin d'en arriver là. Hein? S'il vous plaît. Docteur, je vous en prie, faites tout ce que vous pouvez pour la sauver, docteur, je vous en supplie. Écoutez, je ne voulais pas lui faire du mal. Cassie, va effectuer le versement. Je verrai quoi faire. Ok, merci, monsieur. Il vient, allons-y. Ah. Non, mais c'est pas vrai. Oh, pauvre Cynthia. J'espère que rien n'est arrivé à cette fille. Elle ira bien. Comment ça, elle se remettra? On lui a tiré dessus. Un instant. Allô? Allô? Monati, oui. Comment va-t-elle? Ok. Ah, Dieu merci. Ah, elle dit qu'elle est en vie, mais toujours inconsciente. Oh, Seigneur. Merci. Dieu merci, elle est vivante. Oh, Seigneur, qu'elle aille bien. Non. Non, pas Cynthia, non. Non. Mon Dieu, s'il te plaît. Maman, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu en colère? Ah, Julienne, quel est le problème? Pourquoi m'as-tu retiré de ton testament? Et qui te l'a dit?
J'étais avec ton avocat il y a quelques minutes. Il n'est pas supposé parler de ça avec toi. Très bien, je le ferai dès demain. Mais papa, ce n'est pas juste. Parce que je ne fais plus confiance en ta mère. Elle est capable de me tuer juste pour avoir son nom dans le testament. Juste pour dilapider toute ma fortune avec tous les jeunes garçons de la ville. Pourquoi si tu es un homme stupide? Oh. Tu es un homme stupide. Maintenant que tu as de l'argent, tu penses pouvoir m'envoyer aux oubliettes? Tu le penses? Jamais. C'est impossible. De plus, quel est ce soi-disant fils à qui tu as laissé 7% de ta fortune? Un fils? Ce n'est pas vrai, papa. Ne fais pas attention à ta mère. Qu'elle ne m'écoute pas, c'est ça? Tukwasi, Tukobi, Ndokwe. J'ai bâti cet empire avec toi. Et je n'accepterai aucun bâtard venant d'une autre femme. Peu importe ce que ça me coûtera. Jamais. Allez, assieds-toi. Papa. Papa. Ouais. Tu n'es pas seulement mon père, mais aussi mon ami. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. As-tu un fils? Oui, tu vois, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Je ne sais même pas s'il est encore en vie. Comment se fait-il que tu ne m'aies jamais rien dit à son sujet? Ma fille, je continue à vivre avec la culpabilité de ce que j'ai fait à sa mère. Une femme qui m'a donné tout son cœur, son amour, qui m'a tout donné. J'ai abandonné cette grossesse. Sans toutefois chercher à savoir comment est-ce qu'elle allait. Non, papa. C'est pour ça que maman te déteste autant. Elle dit que ton erreur du passé est l'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas voulu te donner un autre enfant que moi. Non. C'est pas du tout le cas. Hein. J'ai peut-être commis des erreurs lorsque j'étais jeune. Mais, ne crois pas du tout à ta mère. Ne la crois pas. Qu'est-ce que tu fais là? Exactement, Cassie. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, chérie, je suis vraiment désolé. T'es désolé? S'il te plaît, Cassie, va-t'en. Cynthia, écoute, chérie, je ne voulais pas te tirer dessus. Infirmière! Infirmière! Cynthia, ne fais pas ça. Infirmière! Qu'est-ce, madame? S'il vous plaît, demandez à cet homme de s'en aller. Monsieur, s'il vous plaît, sortez, vous dérangez ma patiente. Cynthia. Va-t'en, Cassie, va-t'en. Sors. Tu vas mieux? Désolée, d'accord? Désolée. Cassie, pense-en. Que faisais-tu avec une arme? Sais-tu que tu aurais pu tuer ton frère Ozuemena? Grande sœur, qu'est-ce que ton fils Ozuemena a bien pu faire? Au point où tes enfants et toi n'arrivaient pas du tout à lui pardonner. Comment ton fils peut-il être ton gardien? Tu vis dans l'opulence. Comment peut-il vivre comme un mendiant dans ta propre maison? Parle. Ne me crie pas dessus dans ma propre maison. Oginido, non Konedo, ne me parle plus jamais ainsi. Si tu veux me parler, fais-le avec respect. J'espère que tu as compris. Tu fais bien de l'appeler mon fils. Ça veut dire que j'ai tous les droits de le traiter comme ça me chante. Ok. Nine Gododo, enfant maudit. Et si tu es la mère de cet enfant maudit, alors toi t'es pas maudite. Non, ne parle pas ainsi à maman. Et si je le fais, tu vas faire quoi? Je vois que t'as pas retenu la leçon, toi. Non, mon arme est toujours prête pour toi, tu sais. Regardez ce trouillard. Tu crois que j'ai besoin d'une arme pour en finir avec toi? Même si j'avais les deux bras coupés, je t'aurais battu à mort comme un chien. De bas à mort. Attends, comme ça, t'insistes. Oh, taisez-vous, insiste. Taisez-vous tous les deux. Tu as le courage de parler. Parce que tes oncles sont là. Niekele ka poakala. Quoi, Dodo ou Kualana. Mes oncles.
Je vous ai fait venir ici pour me plaindre de ma mère. Je suis un homme adulte. Avec une famille, j'ai un fils. Ce n'est un secret pour personne que son défunt mari Mwatukou n'était pas mon père. Je vous ai fait venir pour m'aider à lui demander qui est mon vrai père. C'est qui mon père? Osemena, ton père s'appelle Chukwuasi Chukwu Indokwe. Je l'ai vu il y a de cela quelque temps à Kaduna. Et je lui ai parlé de toi. Grande sœur. Comment oses-tu te mêler de mes affaires? Ce n'est pas de ta faute. Comment oses-tu te mêler de mes affaires dans ma propre maison? Pourtant, tu as tes propres problèmes. Anumpama. Mon oncle. Tu connais en fait mon père? Nous le connaissons tous. Mais personne n'a son contact. Vous connaissez mon père et vous m'avez laissé souffrir entre les mains de ces démons? Oh, moi un démon. Appelle-moi démon. Appelle-moi comme tu veux. Ocean Wangchop, de ta bouche, dis tout ce que tu veux, ça m'est égal. Ton père est toujours en vie, mais t'as causé la mort de mon père à moi. Allez, arrêtez ça, madame. Arrête de m'appeler, madame. Val, viens. Madame, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Mais arrête, allez, madame, pourquoi me repousser? Madame, vous ne comprenez pas. Monsieur et Angela peuvent débarquer à tout moment. Ils ne viendront pas. Comment, madame? Chut, Val. Chut. J'ai mis un somnifère dans leur repas. Hein? Tous les deux, mon mari et Angela, ils n'en sauront rien. On a toute la nuit devant nous. Détends-toi. Es-tu prêt à me prendre, bébé? Oui, je suis prêt. Écoutez, viens, je sais ce que je dis. Écoutez, madame, habituellement, vous venez dans mes quartiers, n'est-ce pas? C'est plus prudent là-bas. Bébé, arrête. Hein? Je n'aime pas me coucher sur ton lit. Je ne veux pas perdre mon boulot. Bico, quel... madame, Bico. De quel job parles-tu? Je suis ta patronne. Chut, s'il vous plaît. Arrête! Chut. Ungemo. Bico. Bébé. Madame. Bébé, viens. Ne t'enfuis pas pour ça, ok? Pas de problème. Viens, mon bébé. Écoutez, on court des risques, hein? Oh, Seigneur, as-tu oublié? Hey. Écoute, le risque, c'est excitant. Je sais, je sais. Oh, hey, Seigneur. Viens. Ah. Madame, s'il vous plaît, j'ai vraiment peur. Écoutez, je ne peux pas. Hein? Je ne te donnerai pas les 50 000 que tu m'as demandé. Hein? Oui. Hey, on ne peut plus plaisanter avec toi. Je ne peux rien te refuser. mais tu es sûr de vraiment me donner cet argent? Ah, avant le travail. Kembe mon nanane. Biko. On a toute la nuit devant nous. Non, mais ils peuvent sortir à tout moment. Nekwe, donne-moi l'argent. Arrête de parler des risques. Viens. Non, c'est pas ça. Teke weke tu m'as fou. Mbabiko, n'essaye pas de te faire. Mega comme la situation. Oda de Wurgo. Ah, bébé. Comme tu sais si bien. Oh, bébé. Ah, my mother, my face. Did you carry me for plenty months to see me and like this? Mama, ton fils ne se sent pas très bien, Ozzy. Ah. Je pensais qu'il jouait avec mon Ati et toi, Chukwu, au salon. Non, il était avec moi dans la chambre. Le diable est revenu, hein. Allez, va voir, papa. Grand garçon, il fait de la fièvre. Tu l'as constaté? De la fièvre? Ouais. Tu quoi d'autre? Il va bien. Ah, c'est vrai, oh. Permets-moi de terminer ce que je faisais à la cuisine, je vais aller lui acheter des médicaments. D'accord. Prends soin de lui, d'accord? Vas-y, vite. Hé, hey, fiston, qu'est-ce que tu as aux yeux? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Mais Zoma! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? J'en sais rien, je sais pas. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre?
Quoi, Piston? Chikwado. Va chercher de l'huile de palme. Quoi, vas-y, dépêche-toi. Mon fils. Calme-moi, dépêche-toi. Hé, Fiston. Chikwado. Hé, mes hommes, dépêche-toi. Il n'y a pas de l'huile de palme. Non, va chercher de l'huile de palme. Il n'y a pas de l'huile de palme dans la maison. Donne-lui d'abord ça, ça peut calmer. Vas-y. Ce sont des gouttes de... Chikwado, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Aussi, oh, une ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il passe? Je ne sais pas. Mon bébé, ouvre les yeux. Va demander à maman si elle a de l'huile de palme. Dépêche-toi, s'il te plaît. Seigneur. Chikwado. Tu l'as? Allez, Meso, dépêche-toi! Chikwado! Allez, vite! Chikwado! Chikwado! Ouvre la bouche! Ouvre! Chérie, mon bébé, il ouvre les yeux! Merci! Merci, Seigneur! C'est bon, il est avalé! C'est bien, Fiston! Ouvre les yeux! Ma puce! Je remercie le Seigneur pour toi! Je n'arrive toujours pas à croire que Cassie ait fait ça! Diable incarné, qu'est-ce que tu fais là? Cassie, as-tu encore le courage de montrer ton laid visage dans cette maison? Cassie! Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te tirer dessus, chérie. Cette balle, elle était pour mon frère. Comme ça, tu aurais tiré sur ton frère? Cassie, tu es devenu un monstre! Volcan! Excuse-moi! Allez dehors! J'étais dehors, allez, va-t'en! Hey! Dehors, Cassie! Dehors. Cassie! Non, Cassie! C'est toi qui dois partir de chez moi, s'il te plaît, va-t'en! Bébé, je ne partirai nulle part! Dégage, Cassie! Allez, chérie! Je suis désolée, s'il te plaît! Je suis désolée, Cassie! Ça ne peut plus continuer, c'est fini entre nous! C'est fini entre nous? T'es si rude là que c'est terminé? Écoute, Cynthia! Je t'aime jusqu'à la couleur de tes cheveux, chérie! De la tête jusqu'aux pieds, chérie! Mon amour pour toi est plus grand que toute la planète Terre, chérie. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Je suis sérieuse, c'est terminé. Ça ne peut pas se terminer, mon amour. Ça ne peut pas, chérie. Tu m'as tellement manqué. Et approche. Tu m'as tellement manqué. Je suis désolé. Tu m'as manqué. Je t'aime, chérie. C'est pourquoi ça? Pour avoir tiré sur ton frère. Viens là. Ouais. La mauvaise graine. Allez, bébé, viens m'embrasser. Chérie. Ah, Angela. Et Abba, compte. Papa. Juliane. Ton état de santé devient déjà très inquiétant. Oui. Demain, nous irons à l'hôpital à la première heure pour ton traitement. Tu sais, prévenir vaut mieux que guérir. Non. J'irai bien. Je pense que c'est le palu. Non, maman. Tu iras à l'hôpital. J'ai dit que ça ira. Ce n'est pas du tout négociable. Demain, nous irons à l'hôpital. Ça va aller. Ça va aller. Ah, mes enfants, j'allais oublier. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez le leader de l'opposé? Le leader des femmes. Oui. C'est une très bonne amie à moi. Mais elle m'a dit que le club des congressistes, ils sont des récompenses annuelles qu'ils donnent aux gens. Et ça commence très bientôt. Alors elle aimerait que l'on se charge de l'organisation de l'événement.
Oui. Oui. C'est génial. Je le sais, je le sais. Je l'ai convaincu. Tout le monde sera content. Cassie, j'aimerais que Mounati et toi, première heure demain matin, vous alliez à Abuja. Ok? Mais j'aurais besoin que tous les deux, vous amendiez la proposition qu'on leur envoie. D'accord? Cassie, tu t'en charges. Pendant ce temps, Mouna fera des recherches approfondies. Elle ajoutera ce que tu auras modifié afin que nous puissions le proposer, ok? Maman, sommes-nous obligés de le faire cette nuit? Oui, bien sûr. Cynthia, est-ce là l'hôpital, maman? Je dois être à ses côtés, maman. Tu sais que c'est moi qui lui ai fait ça. Chou, Cynthia quoi? À chaque minute, Cynthia, Cynthia, Cynthia. Est-ce cette Cynthia qui te donne de l'argent? Vas-y, réponds-moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne prononce plus jamais ce nom à côté de moi. Les gens pensent avoir de l'argent et toi tu appelles Cynthia. À présent, laisse-moi te dire quelque chose. Quelque chose que tu dois savoir. Ton père m'a laissé sans sou. J'ai monté cette entreprise toute seule. Une entreprise dont tu hériteras. Et tu es là à m'appeler Cynthia. Cynthia est-elle plus importante que ton business ou ta famille? Maman. Oh, Guinée. Es-tu obligée de t'emporter à chaque fois que tu entends le nom de Cynthia? Je vais te chiffler. N'importe quoi. Donc dis-moi, c'est en vendant ta chaise roulante que j'aurai de l'argent. Hein? Pour te nourrir. Guéga moi une fête. Allez, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Rassure-toi de faire ce que je t'ai demandé de faire. Bonne nuit, maman. Avant de venir me raconter les histoires de Cynthia, n'importe quoi. Allez vous coucher, vous aimez trop la belle fille. Mais vous ne faites aucun effort pour gagner de l'argent. Otwale, aussi niwana. Ah, mais Johnny, oui, Kudono. C'est des nôtres, moi. Regarde bien ce qui te sert le pied. Otwale, regarde bien tes pieds. Regarde bien ce qui te sert de pied. Tout ce que tu sais faire, c'est manger. Ah non, fia. Tu vois, je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu, mais tu ne m'as pas écouté. Papa. Évite de coucher avec n'importe qui, afin de ne pas tomber malade. Maintenant, te voilà. Papa, c'est quoi le problème? Ta mère est malade, ma fille. Je t'ai prévenu à maintes reprises. Maintenant, regarde-toi. Non, mais regarde-toi. Ah! Tu savais que j'étais souffrante. Oh oui! Mais je ne savais pas du tout que tu avais le VIH. Quoi? Patron, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, j'ai quelque chose à vous dire. Dégage d'ici! Je dis, dégage d'ici! Monsieur, pardon, je vous en supplie. Pardon, c'est comme si ce problème me concerne. Pardon, monsieur, pardon. Je vous en supplie, je veux juste savoir. C'est vous qui avez dit le VIH ou c'est madame? Ou c'est vous deux? Je suis en train de parler à ma femme, pas à toi. Maintenant, dégage! Mais non, monsieur, ce problème, c'est mon problème. Je vous en supplie, arrêtez mon ignorance. Monsieur, ne vous fâchez pas. C'est vous qui avez dit le VIH ou c'est madame. Je veux savoir. Vain. Je suis séropositive. Agnès, ma mère. Non, c'est pas vrai. Non. Maman, comment est-ce possible? Ah. Je suis mort. Et toi, Val, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Monsieur, je ne sais pas ce que vous... Non. Attends-moi. Vous dites... Non. Madame, vous dites que vous avez quoi? Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Ah. Qu'adviendra-t-il de notre famille? Qu'adviendra-t-il de notre famille? Mon Dieu! Où est Val? Hey, oh non. Où est mon téléphone? Angela! Hey. I have watched you climbing mountains and chasing dreams all of life. You've taken everything for you to go. Papa, s'il te plaît, calme-toi. Mais tu finiras par te faire du mal. Ah.
Angela, ma fille, tu ne peux pas comprendre. Quand j'étais jeune, j'ai mené une très mauvaise vie. À présent, je paie pour tout le mal que j'ai fait subir à cette femme. J'ai honte de moi. Et aujourd'hui, je paye un mauvais karma. Je suis presque ruiné. Si ce n'était pas l'assurance de l'entreprise, nous n'aurions plus rien aujourd'hui. Maintenant, ta mère est séropositive. Vois-tu? Oui. C'est exactement ce que je disais. Rien ne pourra nous séparer. Ouais. Écoute, j'aurais besoin que tu me rendes un service. Merci. D'accord. Tout quoi si? Donc t'es ici. Je suis allée chez toi, je ne t'ai pas vue. Je savais que tu serais ici. Maintenant tu es devenue médium, c'est ça? Mais... Oui. Toi? Alors tu sois avec mon homme? Et alors? Bref, je ne suis pas là pour toi. Tout quoi si? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai donné mon amour. Je t'ai donné mon cœur. Je t'ai donné ma virginité. Qu'est-ce que tu m'as demandé que je n'ai pas pu te donner? Quoi? Au point où tu me renies avec ma grossesse. Ma mère est même morte de suite de tension à cause de cette grossesse. Mes oncles, tout le monde, ils m'ont tous rejetée. Tout ceci à cause de toi. Aujourd'hui, tu es là à prendre du bon temps avec cette chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, je n'ai jamais su que tu étais une bonne présentatrice. Honnêtement. Donc, c'est la raison pour laquelle tu as laissé tout ce que tu faisais chez toi pour débarquer ici et m'importuner, c'est ça? Tu as perdu la tête? Vite. Non, réponds-moi. Ça ne va pas là? Tout quoi si? Je n'ai pas connu un autre homme, en dehors de toi. Écoute, épargne-moi de tout cela. N'y pense même pas. Parce que je sais tout de toi. Je sais que tu sautes de ma homme. Oh, tu penses que je ne sais pas? Sache juste que ton temps est épuisé. Alors c'est ce que tu me fais, c'est ça? Et pour ton information, je ne suis pas le père de ce bâtard que tu portes. Tu m'entends? Tu ferais mieux d'aller dehors et chercher son père. Ok. Car je n'assumerai pas une telle responsabilité. N'importe quoi. S'il te plaît, maintenant, comme tu toi, peux le voir. Agnès, je te promets qu'il te fera la oui, même chose ça. Qu'il m'a fait. Tu es une menteuse. Je te le promets. Assez de toutes ces conneries. Ne dis même pas ça. D'ailleurs, ton temps est épuisé. Tu dois... Quoi? Allez, vas-y, lâche-moi. Toi. Allez, dégage. Toi. Dégage d'ici. N'importe quoi. Tu as vu ça? Tu as vu? Bébé. On verra bien. Fais pas attention idiote. À elle. Oh, t'occupe pas d'elle. T'occupe pas d'elle. Je suis là pour toi, d'accord? Calme-toi. Calme-toi, d'accord? Calme-toi. D'accord, chérie. Patience, ma maudite. Aujourd'hui, j'en suis là. Non, papa. Tu n'es plus le même homme que celui de ta jeunesse. Tout ça, c'est du passé. Et à présent, eh bien, tout a changé. Non, ma fille. Il y a des erreurs qu'on... ne peut effacer. Dommage, ainsi va la vie. Maman, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Prête-moi ta voiture que j'amène mon fils à l'hôpital. Il est mourant, je t'en prie, c'est pas ce qui lui arrive. S'il te plaît, si tu n'as rien à me dire, laisse-moi aller me reposer. Tu veux que je te donne ma voiture pour que tu l'amènes à l'hôpital? Oui, maman, il se fait tard, je sais pas quoi faire maintenant. Et après ça, tu voudras utiliser mon argent pour payer. Les comment ça s'appelle encore? Les ordonnances, maman, c'est ça? Pourquoi tu agis ainsi? C'est ton premier fils quand même. Et tu vas pas quand même permettre que ça arrive. Il est mort. Osez, madame, ce qui me fait le plus mal, c'est que tu ne sais pas vivre selon tes moyens. Prends la moto si tu n'as pas assez d'argent pour amener ton fils à l'hôpital. Ou bien, fais-le s'il te plaît. Pourquoi maman, est-ce que avant que je n'arrive à l'hôpital, mon fils, il est mourant. Ce n'est pas mon problème s'il meurt. C'est mais qu'est-ce problème. Qui se passe au juste? Hein? Les gens meurent tous les jours. Prie juste. Les gens meurent tous les jours, s'il te plaît, prie seulement. Maman, tu...
Les gens meurent tous les jours. Et si ton fils meurt, ça fait quoi? Vis en fonction de tes moyens. Il y a les motos, prends les motos. Si tu ne peux pas prendre la moto, tu marches à pied. Il faut apprendre à vivre en fonction de tes moyens. Maman, ce n'était pas Ozemina. J'ai entendu sa voix. C'était lui. Est-ce que tu peux imaginer? En fait, il est venu me demander de l'aider à amener son fils à l'hôpital. Oh, Wania, est-ce que je sais que vous êtes proche? A-t-il bu avant d'aller se coucher? Et tu ne l'as pas fait? Maman, tu ne l'as pas fait? Tu as une chaise roulante. Tu peux aller l'accompagner. Vas-y l'accompagner. Maman! Hey, Mama! Did you carry me for plenty months to see me?